Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'émission L'Autre Journal. C'est un grand plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous pour ce nouveau numéro. Nous allons parler de l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec comme sujet au menu de ce numéro, la diaspora et sa contribution au développement du pays, les attaques djihadistes que le Togo a subies la semaine dernière et la vie chère qui continue de décimer nos populations. Avec nous sur ce plateau, des confrères, un qui n'est pas habitué à ce plateau, et c'est la première fois qu'il nous rejoint dans l'émission L'Autre Journal. Il s'appelle Francis Napokoura. Francis, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à Ferdinand et à tous les heureux téléspectateurs de L'Autre Journal. Merci, je rappelle que Francis, il est le directeur de publication du journal Tampan Express, un journal qui a commencé par paraître dans les kiosques depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et il est à son 18e numéro, ça sort depuis, merci, en tout cas merci Francis d'avoir répondu à notre invitation. Merci également, c'est un réel plaisir, comme je le dis, et puis bon, ce serait pas la première fois, il faut toujours un début, et c'est ça. Donc on a commencé aujourd'hui, il y aura une prochaine fois. Voilà. Le second invité, il a déjà été annoncé, c'est Ferdinand. Bonjour. Bonjour Isidore et bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin. Un grand merci à Francis qui a accepté de nous accompagner dans cet exercice qu'on fait quotidiennement. Et je tiens à dire, à présenter mes félicitations à Francis parce que depuis quelques semaines, il est devenu un jeune docteur. C'est pas jeune du mais il est jeune docteur. Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat. Et ça nous fait plaisir de voir que dans la presse togolaise, chaque jour que tu fais, la crème se renforce. Et il y a vraiment des gens de très, très, très haut niveau. Ça permet de faire aussi de très bons débats. Et donc, félicitations, Francis, et bonne continuation pour tes recherches. Merci. Félicitations également pour l'émission, L'Autre Journal. Merci beaucoup. D'abord, avant d'aborder tous ces sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, nous allons parler d'une situation, d'un sujet qui nous préoccupe, nous tient vraiment à cœur. Il s'agit des fouilles qu'on a instaurées ces derniers temps au port autonome de Lomé, quand un conteneur vient, quand nos compatriotes arrivent avec leurs affaires au port, les fouilles, les décisions qu'on a prises ces derniers temps en fouillant. C'est-à-dire effet par effet, tout ça là, au côté de Francis, tu étais au courant de ça? Oui, j'ai suivi, sinon je suis avec attention, même sur le terrain, comment la pratique se déroule. En fait, quand vous prenez les importations de marchandises, il y a deux catégories. Soit vous importez votre marchandise avec toutes les factures et les preuves de votre marchandise que vous avez mis dans le conteneur. Donc, soit il y a les factures, il y a les bordereaux électroniques de suivi de cargaison et autres. Donc, quand des marchandises comme ça arrivent, et on passe directement à la déclaration, c'est-à-dire échange de connaissances, déclaration, douane, à partir de ces factures, parce que ces factures et originales portent les montants réels des marchandises. Et donc, vous faites la déclaration. Le jour où vous voulez soulever votre conteneur, soit vous décidez de l'ouvrir à l'intérieur du port, ou vous l'ouvrez, dans votre entrepôt. Là, on vous délègue l'escorte pour aller assister au dépotage. L'autre façon, c'est ce que on a couramment l'habitude d'appeler le houillage. Ça veut dire que vous avez des choses dans le conteneur dont vous ne connaissez pas les valeurs. C'est-à-dire que même
Quand on parle de WIAI, c'est que vous-même, vous supposez ne pas connaître ce qu'il y a dans le conteneur, le contenu. Donc, et c'est là où on sollicite l'assistance de la douane pour venir regarder et puis attribuer des valeurs aux marchandises. Et après, c'est là qu'ils vous donnent les valeurs qui vous permettent d'aller faire maintenant la déclaration pour pouvoir faire sortir la machine. Seulement, c'est que c'est une vieille pratique, hein, c'est pas aujourd'hui. Seulement, c'est que depuis un certain temps, on a constaté que la douane est devenue plus regardant qu'avant. Et cela, qu'est-ce qui concourt à ça? C'est que vous avez une économie qui n'est pas aussi florissante. Les importations, ce n'est pas que ça a monté entre 2 ans ou 3 ans. Or, il y a quelques années, la contribution de la douane au budget, c'est à peine 500 milliards. Après, c'est monté à 600. L'année dernière, ils ont fait jusqu'à 780 milliards. D'accord? Et cette année, on leur demande de faire 814 milliards. C'est ce que le budget dit. Alors que, comme je l'ai dit, l'activité économique, sinon les importations, n'ont pas évolué pour autant. Mais on leur demande de faire plus qu'au moment où le commerce était encore plus développé. Donc, du coup, il y a un braquage systématique sur pratiquement tout ce qui arrive. Et donc, ce qui amène aujourd'hui les douaniers, et certains, on peut dire, ce qu'on a vu, il y a quand même un peu de beaucoup de zèle dedans, sinon on fouillait le conteneur. Depuis, on leur attribuait des valeurs et les valeurs étaient plus ou moins raisonnables. Parce que quand vous voyez, il y a même une fiche d'évaluation de rouillage qui a circulé sur les réseaux sociaux où le douanier a attribué une valeur de 16 millions à la marchandise en disant que la DDU, le droit de douane supérieur à 20%. D'accord ? Si nous prenons même simplement supérieur à 20%, nous prenons même 20%, appliqué à 16 millions, nous avons une valeur de une douane à payer de 4 130 millions, je crois. Et si pour des papiers, des mouchoirs, des matelas d'occasion, dit matelas, on a vu les effets, et puis les chaises d'occasion, c'est-à-dire que même si c'est ça, ajouter au fret qui doit être au-delà de 2 500 euros et ajouter à tous les autres frais de transit, mais l'importateur se retrouverait subitement peut-être autour de 7 millions. C'est-à-dire que si nous prenons juste la valeur, nous prenons le taux de douane de 20%. D'accord ? Alors que quand on voit les effets, ce n'est pas ça. Donc, dans le temps, il y avait une entente tacite entre les importateurs et les douaniers qui faisait que, maximum, pour sortir un tel conteneur, vous avez seulement 2 500 ou 3 millions tout au plus à dépenser. Et subitement, les règles ont changé. Donc, les gens ont modifié les valeurs des marchandises qui étaient importées. Et ce qui a fait que ce commerçant, par exemple, se retrouve avec 16%. Et 16 millions à évaluer à plus de 20%, peut-être dans l'ordre, si on lui applique 51%, il est dans l'ordre de 8 millions et quelques. Donc, pour vendre les papiers mouchoirs, à combien? Vous voyez. Donc, il y a ce changement de mode qu'on n'a pas communiqué aux gens que nous avons besoin de plus d'argent. Donc, tout ce qui était accord anciennement, c'est caduque. D'accord, que nous allons maintenant procéder à d'autres évaluations. Et c'est ça qui se fait. Ce n'est pas du tout normal parce que les gens ont fait les prévisions, ils ont acheté pour venir vendre. Mais si vous leur appliquez de tels tarifs, ils vont abandonner la marchandise. C'est comme ça que vous allez constater que même pour les groupages, les marchandises de groupage ou même des conteneurs sont arrivés au port et le taux de douane qu'on leur a calculé ne leur permet pas de sortir la marchandise. Donc, ils ont abandonné la marchandise. Ils abandonnent. Vous allez voir des milliers de conteneurs qui sont au port ou même dans les magasins où les gens, les compagnies qui font le dégroupage ont dégroupé les marchandises, ont déposé, mais les clients ne peuvent pas venir prendre parce que les taux de douane qu'on a attribués
à la marchandise ne leur permet pas de sortir. Ils préfèrent plutôt abandonner que de les sortir et de ne pas vendre. Donc c'est ça, aujourd'hui, la gangrène que nous traînons. Et quand il s'agit des marchandises périssables, comme du lait, vous allez voir, les gens ont des conteneurs de lait, d'huile, qui ont leur date de péremption. Donc quand on les bloque comme ça, le système douanier togolais même ne permet pas, dans 6 mois, de dire que la marchandise est saisie et qu'on puisse les vendre aux enchères pour récupérer un minimum de frais. Donc vous allez voir que à la longue, on sortira des conteneurs comme ça, 10, 20, 30, 100 conteneurs de lait, par exemple, qui sont déjà périmés. Donc la douane va dépenser pour détruire et le manutentionnaire n'a rien gagné. La maison consignataire n'a rien gagné. L'importateur aussi a perdu. En fait, tout cela amène à ce qu'on appelle la vie chère, parce que la personne, l'importateur, a dû prendre l'argent quelque part, soit à la banque, dans une microfinance, qu'il ne peut pas rembourser parce qu'il n'a pas pu sortir sa marchandise, il n'a pas pu récupérer sa marchandise pour vendre, ou bien il a récupéré la marchandise, il est obligé d'ajouter toutes ses charges, parce que pour le commerçant, le prix de revient égale à prix d'achat plus les autres frais. Donc c'est ça aussi que nous appelons la vie chère. Donc c'est le système douanier aujourd'hui qui a changé, parce qu'on leur demande de faire plus que leur capacité, parce que leur capacité serait compte tenu de ce qui rentre comme import, alors que l'importation a beaucoup freiné. Les frais sur le transport maritime a flambé de prix. C'est difficile même de trouver, disons, une ligne, hein, parfois pour amener les conteneurs ici. Et au Togo, il faut passer par d'autres pays pour amener. Donc tout ça là rend cher le transport, et jusqu'à arriver et que la douane aussi deviennent plus, disons, un gendarme, une machine répressive. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez aujourd'hui dans nos services de douane, vous allez penser que vous êtes au camp militaire. Et tout le monde est là, allez, allez, donc mon colonel, mon général, mon commandant. Donc ce qui fait qu'il y a un nouveau climat aussi, un climat de suspicion très généralisé, que si vous avez un dossier, parce que moi j'ai eu des dossiers comme ça, assister des gens, on a vu. Mais personne ne peut te conseiller réellement ce qu'il faut faire, parce que à la sortie, même si la personne veut vous aider, à la sortie, il y a quelqu'un qui peut le traquer. Mais vous pouvez faire rentrer votre marchandise en entrepôt, on viendra sceller l'entrepôt que la déclaration a été mal faite. Et quand ça vient comme ça, et quand vous refaites la déclaration que quand même un douanier a validé, l'autre, jusqu'à la sortie, vous imaginez, ça passe par au moins 3 agents hein, avant que la marchandise ne sorte. Mais à la sortie, je vous dis, on peut vous poursuivre jusqu'à votre entrepôt, ou même vous avez la marchandise dans la voiture, dans le camion en train d'aller, une brigade viendra vous saisir et réévaluer cette marchandise. Lorsqu'on réévalue, c'est comme si vous avez fait une fraude. Et donc, avec des pénalités qui s'ensuivent. Voilà le système aujourd'hui qui a changé et qu'il faut forcément que l'autorité revoie et comment le service va fonctionner, puisque on ne peut pas payer plus que ce que la marchandise demande. Voilà. Merci beaucoup Francis. Et Ferdinand, évidemment, ça se passe à un moment où les gens demandent à ce que l'État soit réduit. Oui, malheureusement, ce que Francis vient de décrire est correct. C'est une décision politique. En fait, il a été décidé au niveau de l'élaboration de la loi de finances d'augmenter les frais, les recettes douanières. Et donc, les douaniers, eux, c'est des fonctionnaires. On leur donne des instructions. Et le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune communication autour de tout ça. Personne n'a communiqué autour de ça. C'est vrai que pour l'aéroport, il y a eu une fuite d'un document que les gens ont appelé le guide de voyageurs. Ça a créé une polémique. Mais au niveau du port, il n'y a eu aucune information. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain avec leurs marchandises qui ne peuvent pas sortir parce que, bien évidemment, on a augmenté les frais de douane. Et il y a un exemple, il y a un monsieur qui importe des boissons énergisantes et il a l'habitude on a l'habitude de lui appliquer un taux par canette. Et lui, il a déjà fait la commande,
Il a fait ses prévisions, comme Francis vient de le dire. Il sait, par rapport à la commande qui vient, combien il va dépenser pour sortir la marchandise. La marchandise arrive au Togo, et puis on lui dit non, que les conditions ont changé. Au lieu de payer, par exemple, 60 francs sur chaque bouteille, chaque canette de cette boisson-là, on lui dit qu'il faut payer 120 francs. Et donc, du coup, il est passé du simple presque au double. Il n'avait pas les moyens. Et c'est là où commencent les tractations, les discussions. Les gens s'énervent. Il y a des éclats de voix. Et je pense que dans un pays qui se dit pays normal et qu'on cherche à développer, il faut faire en sorte que entre les agents, les fonctionnaires de l'État et les prestataires de services, il faut faire en sorte que les relations soient des relations harmonieuses, qu'on n'en arrive pas à des relations conflictuelles. Vous avez vu tout ce travail d'explication que les agents de l'OTR essayent de faire chaque jour à travers des webinaires, mais lorsqu'ils sont bombardés de questions, ils n'arrivent pas véritablement à convaincre l'opinion. Parce que les gens sont en droit aujourd'hui de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des fonds. Voilà, parce qu'on gère un pays depuis des années, il n'y a pas de reddition des comptes. Vous avez des services comme l'OTR, qu'il m'excuse de le dire, vous avez des cadres de l'OTR aujourd'hui qui sont plus riches que des entrepreneurs, que des hommes d'affaires. Dans un pays normal, il a été dit que ces gens devaient déclarer leurs biens, qu'ils devaient avoir un suivi. Rien n'a été fait. Au point que ces cadres de l'OTR, certains ont créé même des sociétés pour concurrencer les opérateurs économiques. Du coup, il y a une certaine jalousie qui s'installe. Vous apportez vos produits, on essaie de vouloir vous étouffer, ou bien on essaie de faire des choses pour couler vos entreprises. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au port de Lomé va freiner va freiner, si je peux le dire ainsi, la fluctuation des importations au port, parce que je ne peux pas commander des choses et venir les garer au port de Lomé et puis je perds. Donc si c'est comme ça, j'arrête de faire le groupage, j'arrête d'importer. Et on vient de le dire, le fret maritime a flambé depuis qu'il y a eu cette histoire de... Même ça avait commencé même avant la guerre. Et depuis que la guerre... Depuis Covid. Oui, depuis Covid. Et la guerre est venue en rajouter. Et quand vous vous envoyez maintenant, vous commandez quelque chose en Chine, à Shanghai aujourd'hui, avec la Covid aussi et la mise en quarantaine de toute la Chine, les conteneurs ne partent plus. Les gens ont des difficultés à récupérer leurs marchandises. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que les services douaniers soient beaucoup plus flexibles. Qu'on aille beaucoup plus par la pédagogie que par la répression, comme il est dit, la force. On voit les fiches qui circulent. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que monsieur gagnerait, par exemple, sur des papiers mouchoirs, qu'on vend peut-être à 100 francs ou 150 au bord de la route. S'il en a quelques paquets, on va lui dire, bon, on ajoute quelques meubles qui sont des meubles de seconde zone, des matelas qu'on a déjà utilisés. Et puis, bon, ça fait 16 millions. On applique un taux de 20% qu'il faut payer. Donc, tout ça, aujourd'hui, va éloigner des gens de leur pays. Et quand on constate que... Et on a une forte diaspora, on en parlera tout à l'heure. C'est des Togolais qui se débattent, qui s'organisent, qui se battent et qui envoient certains matériels vers le pays, parfois certains pour leur propre chantier, d'autres pour faire des dons à des gens, d'autres pour vendre. Et qu'arrivés au port, ils doivent débourser des sommes assez faramineuses pour pouvoir payer les droits de douane. Je pense qu'il y a forcément un souci. Et c'est là où il faut interpeller les autorités. C'est vrai que on est sorti presque de la Covid, même s'il y a encore quelques poches là qui existent, mais personne ne nous a aujourd'hui fait les comptes de ce que la Covid a rapporté à l'aéroport. Personne ne nous a fait les comptes. Et pourtant, c'est des milliards qu'on a engrangés à l'aéroport pendant 2 ans. Qu'on continue même d'ailleurs d'engranger, puisqu'on n'a pas encore supprimé les frais de PCR. On ne nous a jamais fait les comptes. Le problème de ce pays, c'est la reddition des comptes. Si vous faites la reddition des comptes et que le citoyen sait qu'en payant ses impôts, en payant les taxes, ça participe à améliorer son cadre de vie, son quotidien, on augmente le SMIC, on augmente les salaires, les rues sont assainies, on met les lampadaires dans les rues, tout ça, et que bon, l'État crée un meilleur cadre de vie, le citoyen va payer les impôts sans vraiment grogner. Mais ici, c'est que il n'y a pas de reddition de comptes, mais on presse chaque jour le citoyen pour on fait les poches, si je peux parler ainsi, je donne l'expression, on fait les poches aux citoyens
hein, pour renflouer les caisses de l'État, mais en plus, on ne fait pas des comptes à l'argent qui rentre dans les caisses de l'État aux citoyens. Donc, il y a fondamentalement un problème. Et donc, voilà, cette situation au port est vraiment regrettable. Et la manière dont elle est gérée, la manière dont elle continue d'être gérée, elle est vraiment regrettable. Et moi, je suis convaincu que on n'avait pas à mettre la pression sur les douaniers. Parce que dans la loi de finances, on veut atteindre 814 milliards. Il suffit de déclencher la lutte contre la corruption dans ce pays. Ah oui. Il suffit de faire une véritable lutte contre la corruption, d'aller à la chasse des niches fiscales qui échappent à l'État, qu'on va engranger des milliards pour renflouer les caisses de l'État. C'est justement parce que on ne veut pas déclencher la lutte contre la corruption. Parce que lorsqu'on va déclencher la lutte contre la corruption, c'est tout un système qu'on va chambouler. Des gens seront éclaboussés jusqu'au sommet de l'État. Qu'on laisse ce chantier-là et qu'on s'acharne sur les pauvres commerçants qui, eux, vont prendre de l'argent un peu dans les banques, le peu d'économie qu'ils ont fait en Occident pour envoyer des marchandises au Togo. Finalement, leur pays même ne les accueille pas avec toute la facilité qu'il faut afin que, bon, ces marchandises-là puissent rentrer à destination. C'est quand même dommage pour notre pays. Et qu'est-ce que nous on peut faire? C'est toujours de lancer des appels à ceux qui ont le pouvoir décisionnel d'arrêter certaines choses, parce que ça ne fait pas grandir l'image de notre pays et de l'image du port autonome de Lomé qu'on présente comme le plus grand port en Afrique. Isidore, vous savez, à la base de tout ça, Tampa Express, je crois dans son numéro 13, avait publié un article que la lutte contre le commerce déloyal. Ouais. En fait, c'est un slogan de l'OTR aujourd'hui qui dit qu'ils ne veulent plus qu'il y a certains commerçants qui viennent avec des marchandises avec un taux de dédouanement moindre et que les autres payent normalement. Donc, et par rapport à ce qui s'est passé, que les gens commande des marchandises par le Ghana et autres. Donc, il y a une brigade qui est mise sur pied, qui fouille systématiquement pratiquement tout ce qui rentre au pays à travers les frontières pour éviter les reversements et autres, c'est-à-dire les reversements quand une marchandise est déclarée pour le Burkina. Après, on la retrouve. Voilà. Il y a ça. Et cette brigade est gérée, est dirigée par qui ? Est dirigé par quelqu'un qui était chef bureau au port de Lomé et que entre-temps on a affecté à un poste pour le remplacer. Je crois que Alternative avait fait cas une fois, même comment l'appelle-t-on, par rapport à la crise de légitimité à la tête de l'OTR où les gens sont à des postes, on n'a pas renouvelé de postes, même avec des conflits d'intérêts, même affaire de femmes, ce qui fait que aujourd'hui certains petits directeurs sont plus puissants que les commissaires généraux de l'OTR. Et c'est eux qui mènent la bagarre et puis toute cette crise de confiance entre les agents et qui fait que ceux qui savent vraiment faire le travail en comprenant, comprendre vraiment l'importateur et voir ce qu'il est en train de faire et faire le juste prix pour la marchandise, sont aujourd'hui terrés, c'est-à-dire sont pris comme de... Donc, du coup, c'est d'autres petits directeurs qui font le job et qui font la pression, la loi, en lieu et place des commissaires généraux, parce que ces commissaires généraux, leur mandat est caduque depuis, ce n'est pas renouvelé, et d'autres sont peut-être à la retraite, et ils ont peur qu'en voulant bouger le pouce, qu'on va les frapper dessus, c'est-à-dire on va se rappeler que leur mandat est expiré, on va les mettre à la retraite. Voilà, autant de situations. Donc si on assainit la gouvernance, et Ferdinand l'a dit tout à l'heure, vous prenez le budget du Togo et les contributions non fiscales, ça fait 58 milliards. On a 2000 et quelques milliards de budget et 800 milliards, c'est-à-dire 814 milliards qu'on demande à la douane, alors que toutes les sociétés d'État, on parle du port. La dernière fois, le port a fêté des chiffres en tonnage et en volume, qu'ils ont la performance. Quelle est la performance financière? Effectivement, ils ont dit ça. Ils ont dit que le port
a connu un record de tout ça, mais ils n'ont pas donné de chiffres. Hein. Voilà, donc et ils n'ont pas donné de chiffres pour qu'on sache quelle part rentre voilà, dans les caisses de l'État. On donne le tonnage, on ne donne pas ce que ça a généré comme flux financier par rapport aux 58 milliards. Vous imaginez, toutes les sociétés d'État, vous prenez OTP, vous prenez, est-ce qu'on a encore des banques? Bon, peut-être c'est UTB seul. Plus. Donc, tout ça là ne va rapporter que 58 milliards au budget. Donc, on fixe tous nos objectifs sur la douane et les impôts. Ça fait une pression fiscale énorme qui va... On dit trop d'impôts tue l'impôt, donc tue l'économie. Donc, c'est ça. Vous voyez, la vente de la BTCI, ça n'a rapporté que 6 milliards, je crois, au budget. C'est ça qui est... Qui a été déclaré. 6 milliards de BTCI. Quand vous prenez le bâtiment de la BTCI, même là, ça dépasse les subsidiaires des maisons à la caisse qui sont au-delà de 2 milliards, 3 milliards qu'on vend. Donc, dit qu'on en a vendu la BTCI, toutes ces structures à 6 milliards, et c'est ça qui est inscrit au budget, c'est grave. Donc, c'est tout ça qui concourt. Lorsque on gère mal, on liquide les sociétés, on vient de liquider, et bon, Bolloré vient de liquider sa société à MSC, ce qui n'est pas normal. Le Togo pouvait reprendre. On a des milliardaires, semble-t-il, au Togo, mais ces milliardaires peuvent se regrouper et prendre. Et ça pouvait générer des flux pour le pays. Donc, voilà cette situation. Les impôts seuls ne peuvent pas faire vivre le pays. On va aller, en chutant. Et aussi, pour l'extérieur, aujourd'hui, le port de Lomé n'est plus un port rentable. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on dit, le port en eau profonde, oui, l'eau profonde seule ne fait pas le travail. Il y a quelques années, quand un bateau à partir de 40 000 tonnes vient vers la côte, passe par Lomé, même si le bateau est en train d'aller à Abidjan ou à Téma, passe par Lomé pour s'alléger. C'est-à-dire, on descend un certain tonnage avant que le bateau ne continue sur Abidjan ou sur Téma. Mais aujourd'hui, le mouvement contraire se passe. 50 000 tonnes passent par Abidjan avant d'arriver au Lomé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas crié sur les toits ou dormi sur les lauriers qu'ils ont un port en eau profonde, mais ils ont travaillé pour avoir un port en eau profonde. Et c'est ça qui les profite aujourd'hui. Beaucoup de gros tonnages vont à Abidjan avant de venir. Or, c'était un mouvement et autre avant. Donc, aujourd'hui, même les importateurs de l'Interland sont en train de quitter. Moi, j'ai reçu des messages il y a quelques mois, ne serait-ce que les retards, les surestaries que les gens paient. Parce qu'aujourd'hui, nos agents de les représentations maritimes, c'est les surestaries qui constituent leur manne financière. Nous avons un dossier là-dessus pour les prochaines parutions, parce que ça presse les gens. Ils emportent la marchandise arrive aujourd'hui 2 jours, 3 jours, de plus ou de moins, c'est fini, la personne commence par payer les surestaries, les détentions. Donc, du coup, le port de Lomé n'est plus un port rentable, ce qu'on dit port franc, le port franc a quitté depuis, avec toutes les taxes que les gens sont obligés de payer, on n'est plus à un port franc. Voilà. Il faut ajouter que... Au-delà de la propagande qui est souvent servie aux gens, notamment port profond, en eau profonde et tout, et le port de Lomé ne peut être attrayant sans les infrastructures qui relient le port. Lorsqu'on construisait le port, on savait très bien qu'il fallait faire les rails, il fallait faire les routes. Aujourd'hui, quand vous prenez l'état de nos routes, quand les Burkinabés, les Maliens, les Ghanéens sont en train de faire des autoroutes pour relier les pays de l'Interland, sont en train de faire des voies ferrées pour relier les pays de l'Interland, afin que leur port puisse être sollicité par les pays de l'Interland, nous, on n'a pas fait grand effort. On a 60 ans, 62 ans d'indépendance, on n'a pas été capable de construire une double voie Lomé-Thiéviers. On n'est pas capable d'en construire jusqu'à Dapan, 600 km à peine. Vous voyez, 600 km, on n'a pas été capable. Je dis toujours aux gens, avec les 60 ans d'indépendance, si au moins chaque année, on faisait au moins 10 km de double voie, on aurait déjà fini ce chantier. Alors,
lorsque Fonia Singbe a pris le pouvoir, il nous a parlé de sa cellule d'investissement, c'est ça, non? Comment ils appellent ça? Togo Invest, de je ne sais quoi. On a amené les Dangote ici, on a amené les il y a un politicien burkinabé là. On a amené tous ces gens ici qui sont plus ou moins des cerveaux. On nous a dit oui, on va refaire les routes, on va faire les rails. Après même une visite en Arabie Saoudite, il faudrait revenir en disant qu'il a eu 1000 milliards pour faire l'autoroute de l'espoir. Plus de presque 8 ans après, on n'a jamais vu les 1000 milliards. Et donc, du coup, les rails que les Allemands ont laissés au prix des 1000 sacrifices de nos parents, les gens ont coupé les rails pour en faire, comment vous appelez ça, qui vendent aux réseaux chinois et indiens qui sont ici. Tous les jours, les jeunes coupent les rails à l'intérieur du pays. Alors que c'est ce dispositif qui devait permettre en réalité au port d'être... au port d'être compétitif. Parce que le port de Lomé a beau être un port en eau profonde, il n'est rien sans la nationale numéro 1 et sans les rails. Parce que la plupart de ses clients viennent de l'Interland, vous voyez. Et donc, on n'a rien fait. Comme Francis le dit, on a dormi sur nos lauriers parce que, bon, on a une piscine qui est profonde. On se lève, on saute dedans, on nage, on est content. Et puis après, on ne sait pas que, bon, il faut aménager tout autour de la piscine parce que demain, il peut y avoir des problèmes. Donc, aujourd'hui, on est face. Regardez un peu, nous sommes dans un monde de concurrence. Regardez ce que les Ghanéens font avec les rails. Je ne sais pas si les Togolais lisent, ils observent. Regardez ce que les Ghanéens font avec les rails. Regardez ce que la Côte d'Ivoire fait avec les autoroutes. C'est-à-dire qu'ils ne blaguent pas, ils construisent des routes de normes internationales. Pendant que nous, là, quand vous prenez la nationale numéro 1, la dernière fois, le pont même d'Amakpapé, il y a eu un accident là, un camion qui a bloqué le pont. Il n'y avait même pas de déviation où les gens pouvaient au moins... prendre au moins une déviation pour partir en attendant qu'on vienne dégager le camion. Tout le monde est resté bloqué. Donc, quand vous prenez le Togo du nord au sud, ou bien du sud au nord, il n'y a qu'une seule route qui n'est pas assez aménagée. Et lorsque un titan tombe sur cette route-là et bloque la voie, tout est à l'arrêt. Mais on peut pas, il n'y a rien pour être fier d'un pays comme ça. Donc, le pont lui-même au Togo, par rapport à ses potentialités, à ce que le port génère depuis des années, le port seul peut servir de garantie à faire une autoroute Lomé-Saint-Cassé. Le port seul peut servir de garantie à faire des rails Lomé, je ne sais pas, Blita, Lomé, Kara, Lomé, Dapan, Lomé-Saint-Cassé. Vous voyez. Et au-delà de tout ça, on est toujours dans les projets foireux. Je ne sais pas si vous voyez. On vient nous dire que, bon, on construit une plateforme à Téticopé avec un port sec. Comment vous pouvez construire un port sec et à peine 5 km ou 10 km du port naturel? Aujourd'hui, il y a un problème. Et les armateurs sont en train de le soulever. Moi, je suis un commerçant, je suis au Burkina, je suis au Niger. Si on met un port sec à Saint-Cassé, ça me réduit le chemin. Oui. J'arrive à Saint-Cassé, je prends mon conteneur et puis je pars. Si on le construit à Blita, je prends mes trucs, je continue, je pars. Mais si on le construit à Lomé, c'est-à-dire dans la périphérie de Lomé, alors, le bateau vient au port autonome de Lomé, on décharge le conteneur. Normalement, quand on le décharge, moi, homme d'affaires, opérateur économique, je viens faire mes formalités, je prends mon conteneur, je pars. Maintenant, on prend le conteneur du port de Lomé, on l'amène à Déticopé, on le redécharge, on le remet là-bas, et moi, l'opérateur, je reviens, on me le recharge et je l'emporte. Entre le port de Lomé et à Déticopé, la question de sécurité et d'assurance, qui assure ça? Qui règle ça? Et les surestaries, les pénalités que Francis vient de soulever. Qui soulève ça? Et c'est ce que les opérateurs sont en train de dire aujourd'hui. Que mais si vous faites un projet de ce genre, vous devez impliquer les opérateurs. C'est eux qui devaient vous dire si ce projet-là est de leur avantage. Parce que celui qui vient directement de Saint-Cassé chercher son port et son conteneur à Lomé, il dépense moins de frais qu'aujourd'hui, il va venir prendre le conteneur à Déticopé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cette idée de port sec, c'est aussi de la propagande. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on essaie de faire croire qu'on fait quelque chose, mais en réalité, on ne fait rien. Le PND, là, c'est de 2018 à 2022, non? Nous sommes en 2022. Vous entendez encore parler du PND? C'est devenu la feuille de route. Voilà. Est-ce que quelqu'un entend encore parler de PND actuellement? Normalement, c'est en cette année qu'on devait faire le point
Du PND. C'est 2018 en 2022. Je me souviens très bien que lorsqu'ils ont balancé ce plan-là et qu'ils ont commencé par faire toute la propagande, le professeur Kakou Boukpo était invité sur une radio. Il a dit, lui, il a lu le PND, lui n'a pas vu, il n'a pas vu véritablement les facteurs de risque. Parce que tout projet de cette envergure doit mettre en exergue les facteurs de risque. Ils ne l'ont pas vu. Les gens l'ont insulté. Six mois après, blow, Covid est arrivé et le PND est tombé à l'eau. Et on se retrouve aujourd'hui, quatre ans après, on se retrouve dans une situation où, si vous dites aujourd'hui de vous faire un point sur comment le PND a été piloté, puisque le PND a été prévu pour 4 ans, 2018-2022, vous allez voir qu'on n'a pas avancé du tout. On n'a même pas fait quelque chose. C'est devenu la feuille de route. 2022-2025. Et puis quand vous parlez du port sec, Tampa Express a fait un dossier là-dessus. Même là, je crois, le numéro 17, quand le doute s'empare de la plateforme de Pierre. Parce que là, c'est un véritable doute. Est-ce que ça va au finish, ça risque d'être... juste une plateforme pour faire l'empotage des espoirs. Ouais. Oh. Parce que quand vous prenez même la circulation, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va déplacer les conteneurs du port océan à Déticopé, mais la nuit, de 23h à 4h du matin, mais vous voyez cette voie-là, le contournement, qui est déjà en dégradation, c'est comment ça peut supporter ce flux-là. D'accord. Et puis le risque d'accident est rouge. Maintenant, là où ça a chopé aussi, c'est la facturation. On facture la manutention au port, on refacture la manutention ici. Manutaire. Et puis tout ça là, il faut expliquer, il faut convaincre les importateurs de l'Italie, puisque c'est pour eux que véritablement il faut qu'ils payent deux fois la même prestation. Donc quand nous prenons les autres, le chef de l'État fort était ministre de l'équipement, il y a eu une étude pour la réhabilitation des rails de Lomé à Blita, et c'était là où était prévu le port sec de le port sec du Togo sur plus de 10 000 hectares. Et subitement, à son arrivée en tant que président, on saute Blita pour envoyer à Saint-Cassé, alors qu'on n'a pas pu soulever pour mettre sur le genou. On veut aller directement sur la tête, transporter le poids directement sur la tête, ça ne passe pas. Donc c'est pourquoi ça freine. Je crois que c'est un projet mort-né, la nationale numéro 1, même la PM depuis 2 ans, elle avait dit qu'elle va entamer le projet jusqu'à 5 ans. Elle n'existe même pas. La nationale n'existe pas. Voilà. C'est les accidents tous les jours. Si ce n'est pas les bus qui font des sorties de piste, c'est des camions. C'est des camions qui tombent. Parce que la route est comme une piste, elle n'a jamais été élargie. C'est une piste. Les ponts. Les ponts et les ouvrages d'art datent de la période coloniale. Même ce qu'on a fait dernièrement, les ponceaux qu'on a on n'appelle pas ça pont. C'est les ponceaux qu'on a reconstruits sont rétrécis par rapport à la voie. Donc, il faut être vraiment un bon pilote pour arriver à point. C'est sérieux le problème du Togo. Vraiment, c'est vraiment sérieux le problème du Togo. En tout cas, on le dit, les décideurs peuvent tirer les conséquences et puis changer la donne. Voilà, dans tout ce méli-mélo, c'est la diaspora qu'on invite à venir investir au Togo. On a appris le recensement de la diaspora togolaise par le ministère des Affaires étrangères. Et on voit aussi la réticence des compatriotes à l'étranger qui ne veulent pas se faire recenser. Il y a des pétitions ici et là qu'on est en train de publier. Les gens s'opposent à ce recensement-là. Mais Francis, aujourd'hui, comment est-ce que la diaspora peut contribuer au développement du Togo? Comment est-ce que la diaspora peut contribuer? Est-ce que la diaspora ne contribue pas déjà? Parce que il y a quelques années, le pouvoir public même avait ce discours que la participation de la diaspora, les envois de la diaspora vers le pays sont énormes, même parfois dépassent même l'aide internationale qu'on apporte à nos pays. Donc ça veut dire que la diaspora apporte et apporte beaucoup. Maintenant, si ça ralentit, c'est tout à fait normal. Parce que il faut voir les investissements de la diaspora au pays, même
par la famille, c'est difficile parfois pour investir. Vous achetez un terrain, ou bien vous en achetez un terrain pour vous, vous arrivez, c'est le désert que vous voyez, il n'y a rien. Maintenant, sur le plan investissement, les gens ont investi, ils ont construit des immeubles à travers le pays. Mais comment est rentabilisé cela? Vous voyez aussi la diaspora depuis un moment, depuis août 2017, je peux dire que la diaspora est devenue ou bien se considère comme une cible. Parce que en tout temps, on a l'impression qu'ils sont considérés tous, sinon la plupart, comme des opposants. Et la preuve, certains qui rentrent sont en prison. Mmh. Ah oui, parce que pour leur prise de position. Donc, est-ce que nous sommes en train de faire la démocratie ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est ça aussi. Si les gens ne se sentent pas en sécurité, et je ne sais pas comment, en quoi ils pourront contribuer davantage à la chose. Mais ils continuent, je dis, parce que il faut voir l'assistance de la diaspora et aux familles, au plan national. Et la dernière fois, nous étions sur Canal FM lorsqu'on a annoncé une dame atteinte du cancer et qui est dans des conditions difficiles. Et puis une jeune femme est venue faire le speech. Mais les minutes qui suivent, les gens qui ont contribué, 50 000, c'est diaspora. C'est-à-dire qu'en moins d'une heure avant qu'on ne quitte, ça veut dire que notre diaspora est très sensible à ce qui se fait. Et notre diaspora a envie de revenir, mais il faut vraiment des conditions de sécurité. Dans l'ordre de sécurité, quand vous venez investir, il faut que l'investissement soit protégé. Et quand ils viennent pour concourir à des marchés, parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous ne faites pas partie d'un clan donné ou d'une certaine minorité, vous n'avez pas droit au marché. Donc, il y a tout ça. Ils vont venir pour faire quoi? Si vous avez l'investissement qui ne peut pas être rentabilisé par les appels d'offres, qu'on sente que tout le monde a pu participer de façon équitable et que la personne vienne rester, quelques jours après, il va repartir. Parce que l'argent qui est investi doit avoir, disons, un retour sur investissement. Voilà les conditions. Si on veut que la diaspora participe plus, ils ont fait un truc qu'ils appellent le Haut Conseil. Des Togolais de l'extérieur. HCTE. Oui, comment les gens ont été désignés, choisis ou votés. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Et il y a beaucoup d'autres initiatives, mais il faut que véritablement, et ça émane aussi des gens de la diaspora, que ça ne soit pas un truc calqué du pouvoir qui veut façonner sa diaspora. Parce que c'est des gens qui ont vécu dans des conditions de liberté. Et s'il faut que leur liberté soit autrement contrôlée en rentrant au pays, ça va être difficile. Donc, on doit accepter les critiques. Et on doit accepter ces critiques qui vont faire construire le pays. Sinon, depuis août 2017, je peux dire que la diaspora, disons, a peur. Les gens ont peur de rentrer au pays pourvu qu'ils ont été vus peut-être dans une manifestation ou autre, ou bien ils ont tenu des propos. Et puis vous allez voir, même les élections passées présidentielles, qu'est-ce qu'on a fait de la diaspora? Combien ont pu voter? On n'en a pas permis de voter. Vous voulez que les gens viennent apporter leur pierre à la construction du pays, il faut leur donner aussi la possibilité de s'exprimer par les urnes. Donc voilà des conditions qui vont permettre pour que la diaspora puisse s'investir davantage. Sinon, elle en fait déjà. D'accord. Merci beaucoup, Francis. Francis vient de le dire tout à l'heure, les Togolais ont peur de rentrer. On peut dire que c'est cette peur-là qui amène les gens aujourd'hui à se lever contre ce recensement-là. Maintenant, comment maintenant les inviter, comment les impliquer maintenant au développement du pays? D'abord, il faut savoir comment les gens sont partis. Hein. Les gens sont partis, certains soit par les études, parce qu'ils veulent aller terminer leurs études à l'extérieur, ils sont partis, ils ne sont pas revenus. D'autres sont partis pour des raisons économiques, à la recherche d'emploi, de mieux vivre. D'autres sont partis pour des raisons politiques.
Et quand on parle de la diaspora, il n'y a pas que les Togolais qui sont en Occident ou en Asie, mais il y a aussi les Togolais qui sont en Afrique. Il y a une forte diaspora togolaise en Afrique, peut-être même plus importante même que ceux qui sont en Occident, Gabon, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout. Tous ces gens participent à l'effort, rapportent de l'argent au pays. Et Francis l'a dit, la diaspora apporte déjà beaucoup. En 2020, elle a envoyé 441 millions de dollars au Togo. Ce sont les chiffres que les autorités eux-mêmes ont communiqués. En 2018, elle a envoyé plus de 500 millions de dollars. Ça fait presque ça fait 8% du PIB et donc plus énorme que l'aide publique au développement. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est un acteur majeur du développement de notre pays, un acteur majeur de la réduction de pauvreté dans notre pays. Je renvoie ceux qui aiment lire à une thèse de Abdrahim Saïdan, qui est un maghrébin, qui a fait une très bonne thèse sur l'impact des transferts de fonds et des migrations sur la croissance économique et la réduction des pauvretés dans les pays d'origine des migrants. C'est une thèse qui a été soutenue à l'université de Perpignan il y a à peine un an, le 8 mars 2021. C'est très intéressant, assez pertinent, les éléments dedans, pour comprendre comment le jeu de transfert de fonds et des compétences se font. Donc, quand vous êtes dirigeant d'un pays comme le Togo et vous avez autant de personnes qui sont dehors et qui participent à l'économie du pays à plus de 8%, 10% du PIB, donc plus que l'aide publique au développement, c'est comme un œuf que vous devez tenir. Vous devez donc créer les conditions, le cadre de confiance pour que les gens qui sont dans la diaspora puissent rentrer au pays et investir. Nous avons la chance d'avoir des Togolais un peu partout. Ça veut dire que les Togolais apprennent de toutes les cultures. Ceux qui sont en Amérique du Nord apprennent la culture américaine et canadienne. Mmh. Ceux qui sont en Europe apprennent diverses cultures, allemandes, françaises, italiennes, je ne sais quoi. Ceux qui sont en Asie apprennent aussi de la culture asiatique. Et tout ça, c'est des richesses qu'on peut mutualiser et développer le pays. Déjà, comme Paul Kagame, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, parce qu'ils avaient une vision, on commençait pas à miser sur la diaspora rwandaise avant avant de faire tous les autres fonds qui sont venus avec les anglo-saxons, le pillage en RDC, tout ça. Mais c'est d'abord avec la diaspora qu'il a commencé à travailler. Les compétences sont là. Il suffit de les solliciter. Mais qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On assiste au fait que cette diaspora-là, on refuse même son existence. C'est-à-dire que on refuse de lui donner même le droit d'être citoyen, c'est-à-dire de participer au choix des dirigeants de leur pays. On refuse de leur donner le droit de vote. Et donc, les gens sont des Togolais. On refuse de les reconnaître comme Togolais. Et du jour au lendemain, on vient dire qu'on veut les recenser. Mais les gens ont des raisons de dire, mais vous voulez nous recenser pourquoi? Puisque vous nous refusez même d'être citoyen. Vous voulez nous recenser pourquoi? Vous mettez une institution en place, dit le Haut Conseil. Ouais, les gens remarquent qu'en fait, c'est un outil de propagande du régime que vous voulez dupliquer dans la diaspora. Les gens sont restés réticents, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons véritablement développer le Togo, impliquer la diaspora dans le développement, en dehors de ce qu'elle fait déjà, parce que ce qu'elle fait, qu'elle envoie de l'argent pour construire des maisons, acheter des terrains, des petits projets, nourrir les familles, c'est elle qui contribue à atténuer la pauvreté dans le pays. Mais si on lui donne beaucoup plus de confiance, c'est une diaspora qui fait venir des investisseurs, des grands projets pour améliorer le pays. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait autant de Togolais dehors et qu'on ne s'assoit pas pour vraiment faire des études assez sérieuses, faire des projets, inviter la diaspora. Francis vient de le dire en disant, nous voulons construire une ville, par exemple, dans la périphérie d'Anéon. Nous avons aménagé les terrains, on sécurise le foncier. On demande à tous ceux qui sont dans la diaspora, qui sont intéressés, de commencer par investir parce que bientôt, avec l'agrandissement de Lomé, Anéon sera submergé jusqu'à Vaughan et tout ça. Les gens qui sont partis de ce côté, qui sont très nombreux, on crée un cadre incitatif. Ils viennent, ils investissent. On met les projets sociaux, éducatifs à côté. On met quelques projets d'industrie tout autour. Les gens vont mettre de l'argent parce qu'ils savent que c'est chez eux. Palimé, une ville touristique. On invite les gens à investir. C'est comme ça qu'on peut profiter des Togolais pour avancer. Et il y a ceux qui peuvent, parce qu'ils ont confiance à leur pays, peuvent faire venir des relations. Faire venir tellement de relations que ce pays va se relever en un temps record. Mais et cette diaspora-là est perçue aujourd'hui comme une menace pour le pouvoir. Et du coup,
quand des gens prennent des positions politiques, ils rentrent au pays, on les chope à l'aéroport, ou on les arrête, on les jette en prison, bon, on dit, voilà, tu as dit ci, tu as dit ça dans une manifestation, ou bien des gens qui ont des projets, et ils n'arrivent pas à les concrétiser. Bien. Quand vous amenez des investisseurs ici, il y a des gens qui osent vous dire devant vos partenaires, qu'est-ce que moi je gagne ? Voilà. Bon, ou bien moi je suis ministre, je vais prendre 20%. Voilà, voilà. Hein, si vous ne me donnez pas 20%, ils vous bloquent, ils vous empêchent de faire quoi que ce soit. Ils mettent les obstacles sur votre route. Vous pouvez passer par tous les moyens, vous n'irez nulle part. Vos partenaires seront obligés de partir. Il y a beaucoup de Togolais qui ont été victimes de ça. Les gens ont dû envoyer leurs partenaires au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, parce qu'ils sont venus au Togo, leurs propres frères. Hein, ont eu la bouche trop large, ont voulu manger et bon, le projet est tombé à l'eau. Parce que les investisseurs, ils sont très sensibles. Quand ils arrivent quelque part et qu'on commence par leur dire, bon, moi je veux tel pourcentage, je veux ci, je veux ça, ils disent, bon, moi je suis venu pour faire les affaires. Si vous, vos histoires de corruption doivent prendre le dessus sur ce que nous voulons pour investir, on va ailleurs, c'est notre argent. Et c'est comme ça que le pays perd des opportunités, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, même ce qu'on vient de dire par rapport au port de Lomé, sous ces mesures-là, ces obstacles qu'on est en train de dresser pour le dédouanement des marchandises, ça ne va pas inciter les Togolais à envoyer des choses au pays. Les gens ne commencent pas à dire c'est comme ça, moi je faisais du groupage, j'arrête, moi je faisais ci, j'arrête, moi je n'envoie plus rien au pays. Ou bien, bon, si je veux envoyer, je passe par le Ghana, je passe par le Bénin, encore que là, il y a aussi des risques, parce qu'après, il faut revenir au Togo, il y a toute une distance à parcourir et tout. Et donc, l'homme est au cœur du développement. Vous ne pouvez pas chaque fois, en restant dans votre petit bureau, dans votre petit cercle, où vous êtes des fonctionnaires, vous n'investissez rien, vous n'êtes pas des opérateurs économiques, tout ce que vous savez faire, c'est de prendre des dispositions, des lois, des arrêtés, des décrets, pour empêcher les gens qui sont des investisseurs de mener tranquillement leurs opérations pour que le pays puisse vivre. C'est le secteur privé qui fait vivre un pays. Ce n'est pas l'administration. C'est le secteur privé qui fait vivre un pays. Aujourd'hui, le secteur privé togolais est sur les rotules. Ils sont en train de s'essouffler totalement. À part les grandes entreprises. Vous savez que au niveau du patronat, ils ont divisé ça en deux parties. Il y a des entreprises qui ont leur club. Et il y a ceux qui sont, je ne sais pas, des paralytiques. Qui ont aussi leur club, et ça c'est le patronat togolais, ça, là vous trouvez des gens qui sont des hommes d'affaires, mais qui se débrouillent, qui ont des difficultés à s'en sortir. Et vous avez les grandes entreprises, les brasseries, les quoi. Ça c'est pas togolais, ça c'est étranger, Vous voyez, et donc on est dans une situation de ce genre, et on se pose la question de savoir jusqu'à quand ça va durer. Tous ces Togolais qui sont au Gabon, au Niger, vous voyez, quand vous allez partout, vous voyez les Togolais, parce que les Togolais sont ingénieux. Vous allez aujourd'hui dans le Sahel, tous les meilleurs staffeurs sont des Togolais. Ceux qui font les carreaux sont des Togolais. Les maçons sont des Togolais. Et les Sahéliens adorent prendre les Togolais pour travailler pour eux. Vous allez dans des pays voisins, les meilleurs cuisiniers sont des Togolais. C'est des gens qui bossent, qui envoient régulièrement de l'argent. On a quand même appris qu'il y a des cuisiniers, des chefs d'État qui sont des Togolais, comme Alpha Condé, vous voyez. Et donc, tout ça, il faut mettre des mesures incitatives. Le cadre pour permettre à la diaspora de venir investir au pays, c'est l'État qui le met. C'est les gouvernants qui le mettent. Mais ils n'ont pas la volonté de le faire. Tout ce qu'ils font, c'est juste de la diversion. Hein? Ouais. Et recensement des gens de la diaspora, HTC, je ne sais quoi encore ajouter. Et ça, ça ne peut pas permettre aux gens de rentrer au pays. Donc, il n'y a pas une confiance entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ne peuvent pas rentrer au pays et investir. Et c'est dommage pour le pays. Voilà. Il y a cette peur-là. Cette peur, elle est énorme. Hein. Quand on dit aujourd'hui, les gens ne savent pas quand ils vont rentrer. Tout comme Oumoulou qui est là-bas. Et tout comme comment il s'appelle, Rambourg, là, il a été arrêté avec son fils. Il est rentré avec son fils, là. Il y a un Togolais, là, à Rambourg, là. Et on a entendu qu'il y a même certains qui, parfois, meurent comme ça. Et quand ils rentrent. Donc, ça ne donne pas confiance. Il y a ça, sécurité. Et puis, il a dit, s'il y a un cadre d'investissement, vous voyez, quand Résidence Cocotier, vous l'appelez, en face de Ecobank, mais il y a beaucoup de Togolais de la diaspora qui avaient mis de l'argent. Mis de l'argent pour pouvoir avoir leur villa. Parce qu'ils avaient vu que ça pouvait être un projet viable et puis en bordure de mer. Mais où est passé ça? Donc, on n'a pas rendu compte qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le projet... Non, il y a même pire que ça. C'est l'État qui a affecté le domaine. Vous voyez. Et les gens ont mis de l'argent.
l'argent. Moi, je connais un monsieur qui a mis de 100 000 dollars dedans. Mmh. Et aujourd'hui, il est totalement malade. Et il n'a même pas, il n'a même, il sait pas quand est-ce qu'il va récupérer son argent. Voilà. Et ben, oh, c'est l'État qui a garanti ça. Entre temps, quand Philippe Dervieux et son associé togolais ont disparu comme la neige qui se fond au soleil, et l'État est venu récupérer le terrain sans dédommager ceux qui avaient investi pour le projet, pour construire un hôtel là-bas. Un hôtel qu'on nous a dit de 5 étoiles avec le groupe PEFACO. Mmh. Et donc, on a rasé les villas qu'on a commencé par construire. On a fait une grande fête là-bas en disant qu'on va, on veut construire un grand hôtel au bord de la mer. Et je me rappelle, c'était une grande fête le jour de lancement des travaux. Il y avait des bâches, tout ça. Il semble qu'ils ont utilisé 70 millions hein, pour tout ça, les champagnes et tout et tout. Et depuis, le site est resté comme ça. Le gars de Prefaco, il est venu ici. On a dit qu'il devait investir, mais il est venu, il a pris de l'argent à la BEAD, il a pris dans une autre banque, et puis il a disparu. Maintenant, c'est devenu une épave à la plage là-bas. Et tout le monde passe, les gens regardent ça, et personne ne dit rien. Maintenant, ça fait une double perte. Ceux qui ont investi dans le projet des villas résidents des cocotiers ont perdu. Maintenant qu'on a repris ça pour donner à Prefaco, il n'est pas allé au bout. C'est encore perdu. Il a pris l'argent dans les banques. Et il a disparu. Okay. C'est ça. Et cet argent des banques n'est pas remboursé. Ça constitue des risques pour les banques et qui sont payés par les taux d'intérêt. Mais en plus, pour les prêteurs. Mais Francis, en plus, c'est l'État qui est le garant. Oui, oui. C'est l'État qui garantit ces prêts-là. Et donc, quand le promoteur disparaît, c'est l'État qui paye. Mmh. Les gens qui ont fait le pommard, tout ça, ils ont disparu. Ils ne vont pas payer. La banque va provisionner parce qu'ils savent qu'il y a un temps pour que la banque provisionne la totalité. Et ça devient une charge pour les banques. Donc, ceci rentre dans le calcul des prochains taux d'intérêt qui seront appliqués. Donc, ça veut dire que quand on va ajouter encore 0,1 point, c'est nous qui payons. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, la banque, bien sûr, va perdre en même temps, mais va les récupérer parce que c'est de l'argent qu'eux ne peuvent pas perdre. Parce que s'ils vont perdre des milliards, ça fait les épargnes des gens, les investissements des gens qui vont partir. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de projets. Regardez notre lagune qui peine à contenir de l'eau. Normalement, on ne peut pas être avec une zone lagunaire comme ça et dire que les eaux envahissent les maisons de Badago et autres. Donc cette lagune doit être réélargie. Et être réélargie, et on peut passer les bateaux. Vous voyez toutes les parcelles tout autour de Pâtes et d'autres. Mais on lance des projets de construction. Ces terrains, on les réachète aux populations. Ça veut dire que nous avons reconstruit une lagune, nous l'avons assainie. On peut mettre les bateaux, bus, les lieux de loisirs et tout autour, les maisons qui sont jusqu'à Badago, des trucs, ça doit être des maisons maintenant de luxe où les gens de la diaspora et autres peuvent acheter et construire. Donc, on n'a pas de projet d'envergure. Et on est là, on tourne en rond. J'apporte de l'eau à ton moulin. Il y a quelque chose qui se passe que les gens ne savent pas. De Togo Komé jusqu'à Godrafo, au niveau du lac. Oui. Il y a beaucoup de Togolais dans la diaspora qui ont acheté des terrains depuis. Les gens sont aux États-Unis, Canada et tout ça. Les gens ont des projets, vous savez que c'est une zone plus ou moins balnéaire. Les gens construisent des hôtels, des lieux de résidence et tout ça. Depuis un certain temps, ils ont déclaré une partie d'utilité publique. Ils n'ont pas communiqué dessus. C'est-à-dire que de la lagune, je pense jusqu'à 300 mètres à l'intérieur des terres, ils sont en train de confisquer les terrains des gens. Ceux qui sont partis au cadastre et qui sont dans la procédure d'immatriculation de leur terrain se sont retrouvés bloqués. Et on leur montre l'espace en disant que on a déclaré cette zone d'utilité publique, donc on est en train d'exproprier les gens, et que le Togo veut construire à Sini ou je ne sais quoi dans cette zone-là. Et donc on est en train de prendre les terres des gens qui ont déjà clôturé des terrains, qui les ont achetés depuis des années. Posez-vous la question, parce que ce dossier, on nous a interpellés par rapport à ce dossier. Mais le hic dans cette affaire, c'est qu'ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont rien dit aux gens. Je parle de ce flanc de la lagune, c'est-à-dire le flanc sud de la lagune, de Togo Komé jusqu'en allant vers Agbodrafo. Tout au bord de la lagune, ils sont en train d'exproprier les gens. Ça veut dire qu'un blanc est venu quelque part, et vient les autorités pour dire, ah, c'est joli, hein, on peut prendre ça pour faire quelque chose. Et puis on a dit, hop, allez prendre les terres aux gens. Ça ne répond à rien du tout. Ça ne répond à rien du tout. Les gens qui ont construit à Sini, ils ont racheté les terres.
Ils ont racheté les terres pour construire. Même quand vous allez encore aujourd'hui à Assini, il y a encore certains autochtones qui sont encore là, à côté des grands villages, qui ne sont pas encore partis. Donc, comment se fait-il que des gens ont investi pendant des années, des gens sont dans la diaspora, mais au Togo ici, ils ont acheté des terres, ils ont des projets au bord de la lagune, non, au bord du lac plutôt. Un matin, ils arrivent au pays, on leur dit non, qu'on ne peut plus faire les terrains, parce que les terrains sont en train d'être pris par un projet. Et on ne communique pas là-dessus. Ça, c'est un braquage foncier, ça. Vous voyez. Et donc, c'est des choses comme ça qui se passent dans notre pays, mais ils ne communiquent pas là-dessus. Ils ne communiquent pas là-dessus parce qu'ils savent que la méthode qu'ils sont en train d'appliquer n'est pas bonne. Vous voyez. Donc, ces choses-là ne peuvent pas rassurer des Togolais qui sont à l'extérieur de rentrer au pays, d'apporter des projets, de faire quoi que ce soit. Des gens sont arrivés à Lomé ici avec des expertises pour aider à assainir notre capitale. Vous savez par exemple qu'en Allemagne, les Allemands sont connus pour être dans certaines régions les villes les plus propres où on ramasse les bouteilles, on ramasse les canettes et tout ça. On a un système de collecte d'ordures pour permettre à la ville vraiment d'être assainie. Les gens même qui collectent les ordures même sont payés et donc il y a des lieux de décharge. On conditionne les ordures, on les transforme. Les gens ont apporté ce projet plusieurs fois ici, au bout duquel, en quelques années, Lomé va être une ville vraiment propre. Mais les coupeurs de route officiels, c'est-à-dire que ceux qui demandent les pourcentages, ont tellement demandé que les gens sont repartis avec le projet. Donc, voilà ce que notre pays perd. Voilà l'image qu'on renvoie à l'extérieur. Au point que, quand vous voulez venir avec quelqu'un, la personne dit, ah, si c'est le Togo, je suis désolé, là-bas, bon, la part qui revient au gouvernement est plus grande que ce que nous allons gagner. Un homme d'affaires ne prend pas ce genre de risque. La justice n'est pas là. Si vous avez un problème avec un particulier ou bien quelqu'un au Togo, vous allez à la justice, on vous plonge dedans. On préfère aller au Ghana, au Bénin. Les gens même préfèrent aller même aux pays sahéliens aujourd'hui qui sont en crise que de venir au Togo. Parce qu'au moins là-bas, ils savent que bon, ils ont affaire à des interlocuteurs qui sont vraiment crédibles et puis honnêtes, quoi. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons observer une petite pause et nous revenons après.